C'est Lostar 972, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Vidéo sur 6ix9ine. Alors, 6ix9ine, je pense que vous allez, d'accord, vous allez voir le titre, vous allez vous dire c'est quoi ce nom. C'est un. Alors, je sais pas si c'est un rappeur ou un chanteur, vu qu'en soi, j'ai, on va dire. Rappeur, on va dire rappeur. C'est un rappeur américain. Donc là, c'est pour le son Gotti. Alors, on va voir ce que ça va donner. C'est quelqu'un que je connais pas spécialement de base. Je crois que j'ai jamais écouté une de ses chansons, une de ses chansons du tout en fait. Et le truc c'est que, alors vous allez voir, franchement je vous spoil pas, mais il va avoir un, de ce que j'ai vu, en tout cas au niveau photo, il a un style. Alors après je me suis pas encore attardé sur son truc, hein, donc j'ai juste vu qu'il avait un style spécial. Par contre, ce que je suis en train de voir c'est que le son sur lequel je vais réagir est sorti le 18 avril de cette année du coup. 18 avril et à 68 millions de vues. Donc ça veut dire qu'il y a un mec qui a 68 millions de vues. Plus ou moins, du coup, qui doit sûrement tourner autour des 68, sûrement plus, sûrement. Enfin, sûrement plus, du coup, vu que là, on est au 15 avril, donc sûrement plus. Et ce mec, je sais pas qui c'est. On va voir ce que ça donne. Let's go! Il a collé des post-it sur ses dents ou quoi? Ouais, pareil, l'image. Il faut l'image, hein. Give it all, really with the God, got it. Who, really with the God, got it. Who,
Alors, ce mec, c'est devenu un mystère de fou furieux pour moi. Là, c'est devenu un fou furieux. Parce que... Là, c'est devenu un fou furieux. Parce que... Le truc, c'est que... Comparer un Drake et sa musique God's Plan, qui donne de l'argent, c'était... On va dire, dans le concept, etc., c'était bien, c'était beau, etc. C'était honorable, etc. Maintenant, la façon dont ça a été tourné, tu voyais que c'était... 40%, enfin non, tu vois que c'était 60% sa popularité à lui qui voulait faire monter, 40% vraiment donner de l'argent. Parce que, enfin, la façon dont c'était tourné. Alors que là, le mec, tu vois que c'est vraiment pour donner de l'argent, parce que lui-même il s'en fout en fait, lui-même il s'en fout. Il arrivait, il croise des gens, en gros, t'avais un groupe de personnes à qui il venait donner de l'argent. Les gens partaient, t'avais un autre enfant qui arrivait, genre le retardataire de fou, hein, qui arrive 30 secondes après. Il arrivait, genre en mode il le tapait histoire de lui dire ouais, moi aussi je veux mon petit billet. Le mec il se retournait, il passait un billet et il repartait. Rien à faire le mec, il en avait rien à faire. Donc, pas comparé au contraste du tout début, où du coup il y avait le mec qui était là en mode ouais, je kiffe ma vie, etc. Mais du coup, qu'est-ce que. Faudra que je m'intéresse à ce mec-là du coup. Parce que ouais, là clairement il me perturbe. Je pense que c'est la première fois que je suis perturbé comme ça. En fait, t'as deux contrastes tellement différents, dans le sens où physiquement quand tu le regardes, par contre le mec, par contre, et ça c'est vraiment malheureux, j'ai l'impression qu'il a vraiment fumé ses cheveux, quoi. Il les a tués. Ça se voit que c'est pas en gros genre la coupe de ouais j'ai voulu que ça soit plus court ici, plus long ici, machin. Ça se voit qu'il a à un moment donné il a niqué ses cheveux en même temps vu les. Le mec il a mis 50 teintures différentes aussi. Par contre, il est de quelle origine? C'était à Cuba qu'il était, parce que sur les lèvres de la personne, à un moment, quand il a donné le billet de la dame, t'as une dame qui lui a dit gracias. Donc c'est l'espagnol, donc Cuba. Enfin, c'est l'espagnol, donc Cuba. C'est l'espagnol. Et les décors, etc. à Cuba. Ok. C'était 6ix9ine. Non, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. À voir. À découvrir un peu plus. Tchuss!